Bien salut à tous, je suis Super Creeperman Arpani de Creeperman. Et nous nous retrouvons pour jouer à Tank Arena, donc un jeu où il y a une arène et des tanks. Voilà. Donc à tout de suite faire play. On va aller sur la lune. On va aller. Ok, c'est bizarre, c'est mis en bas. J'arrive pas à prendre la barre, c'est pas normal ça. Et on va aller, on va faire le niveau 1 de la lune. On va faire start. Ok. Ok. J'ai pas que ça sortir. Boum. Un peu simple quand même. Une bombe, il est un peu simple. Regardez comment j'évite les balles en mode tranquille. De tank rapide. Ah, de tank rapide, ça c'est intéressant quand même. C'est intéressant là aussi. J'ai beaucoup de vie là. Allez, toutes mes vies, j'ai fait 4 kills. Oh, si je veux pas 3 étoiles là, on va faire un next level tout de suite. Allez. On fait start, on s'en fout de ce qui se passe. Ils ne bougent pas, ils tirent tout le temps par là. Ils sont bugés, ils se sont tous retournés. Regarde, ils sont bugés. What? Voilà. Bon, les contrôles, c'est pas ça quand même. Hein. J'ai déjà vu des jeux avec des contrôles plus contrôlables. Eh mais j'ai été voilà et voilà. Ok, maintenant on va faire next level. On va faire tous les levels. On va faire tous les levels. On va faire tous les levels. J'ai l'impression qu'ils ont des crans. Ils font pas du full 360. Pourquoi je me suicide en fait? Qui peut m'expliquer pourquoi je me suicide? Il va sur la balle. Il me tire à côté. Non, je veux reculer. Alors, c'est lui. Je voulais reculer, mais ça marchait pas. Allez, next level. Donc on va peut-être se faire une petite série sur ce jeu. Hein. Il n'y a pas beaucoup de levels. Si je peux le viser, je peux le viser. Un viseur professionnel, hein. Je leur tire dessus à je ne sais combien de kilomètres. Des fois je fais des trucs, mais je sais pas pourquoi je le fais. Après 71 munitions. Wow. Ah, pas de gun. Il te faut 3000. Ok, bah je suis pas prêt d'avoir celui-là. J'ai pas mal galéré à celui-là. Attention au petit blanc. Non, mais j'avais vu. Hein. Ils sont trop là. En fait, pourquoi ils font du je ne sais combien. Tu fais en speedrun. Tu fais en speedrun, tu t'avances tout le temps. Et décale-toi parce que le blanc il va te toucher sinon. Mais. Non, mais là. Je suis désolé, mais là ça se fait pas. J'ai appuyé sur mon bouton, il a réagi au moins 20 secondes après. Le jeu il est un peu bugué. Hein, et regarde, je peux pas avancer là. Mais c'est normal, dans ce niveau là, en fait, c'est
C'est complètement bugué de ton reculer à ce niveau-là. Ok. Tu n'as pas le droit de reculer. Hop. Toi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est bugué. Ah. Hop. En fait, il y a un peu tous les boutons qui sont bugués dans ce niveau-là. Je veux pas qu'il se bloque contre le mur. Ça ne se fait pas. Non, en fait, j'ai fait ça et ça. Et puis je les ai tous tués. Tu veux que je te le fasse en speedrun? Non. Non. Non, ça se fait pas. Mais t'es d'accord, il y a moyen. Bah oui, c'est sûr qu'il y a moyen, sinon il mettrait pas ce niveau-là dans le jeu. Déjà, on tirerait plus vite. Ce serait déjà un peu plus possible. T'as vu comment ils ont rien fait à leur vie? Oh non. Hey, il a tiré après sa mort, ça se fait pas ça. J'ai pas gagné là. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Ouais, t'es mort avant de gagner. J'ai mieux que tu sais tuer. Moi je veux dire, le blanc je le tue pas, vu que je sais où tuer, c'est pas si dangereux que ça. Tu tues d'abord le blanc. Ah, mais je regardais ce que je disais. Mais... D'abord, ouais, non, mais je veux pas faire des demi-tours. Moi, d'abord, lui, déjà pour tout ce qui est le début de mon workshop, je sais comment les prendre. Mais, t'es d'accord, il tient après leur mort. Ils ont déjà explosé, ils ont déjà disparu, mais ils tirent après. En fait, ils mettent tellement de temps à disparaître qu'ils tirent avant de disparaître. Bah non, j'ai vu, ils tiraient après de disparaître. Ah, moi je m'en fous, j'ai pas le temps de lever. Hop, on va se dépêcher. Pourquoi il avance dans le mur? Je lui dis d'aller en haut à droite, il va en bas à droite. C'est pas logique. Les touches, elles buguent un peu quand même. Hein. Et la lune, elle est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai. Après, je suis jamais allé sur la lune, mais je pense pas qu'elle ressemble à ça, la lune. Mais il faut bien faire des sacrifices quand même. Ouais. En plus j'ai perdu tous mes sous. Ça fait quoi si j'ai plus d'argent, je perds? Tu peux pas avoir plus d'argent en fait. Pourquoi? À part si t'es vraiment nul. Parce qu'en fait, le truc, tu vas gagner plus vite que ce que tu vas faire. Le truc c'est que tu gagnes 10 pièces en utilisant une munition pour tout ça. Et quoi, j'ai pas touché? Et tu gagnes 10 pièces.
Sauf qu'une munition, ça coûte 3 pièces. Donc tu utilises 3 pièces pour en gagner 10. Déjà ? Je suis en mode un peu flippette. Mais il tire pas quand je passe, il tire. Un peu comme si c'était fait exprès. Vous voyez le truc ? Ah ouais, tout à l'heure j'avais 900. Tu utilises 11 munitions. Donc tu utilises 33. Je le fais en mode pas de munitions. Bon, par contre, il faudrait un peu que j'apprenne à viser quand même. Et ça pourrait être pratique. Hein. En plus, apprendre à cliquer. J'ai failli faire le truc qu'il faut pas faire. Je peux le toucher, je peux ah le toucher. Ah oui, tiens, ça n'est pas vraiment rien, mais c'est pas vraiment sympa. Et puis, eux, ils peuvent se tirer à travers. À chaque fois, ça me fait ça. Ouais, à chaque fois, je meurs une seconde avant eux. Ok, allons-y. D'habitude, ça me fait jamais ça. Enfin, après 10 minutes de jeu. Next level, hein, je pense que ce sera le dernier de la vidéo vu la galère. Ah, un tank. Ah, il se retourne. Il s'est retourné un peu tard, je savais pas dans quelle direction il visait. Il bouge. Il faut anticiper ses mouvements. Bon, dépêche-toi, je vais recommencer là. En même temps, l'unité est hyper pour mes derniers moments. Coucou. Anticipation de mouvement. Heureusement qu'on est one shot. Là, il est facile. Par rapport à celui d'avant, là, c'est sûr, c'est même pas simple, c'est... Mmh. Tu sais que c'est pareil, en fait. Ouais. C'est pas simple, c'est easy. Bon, là, tu sors, tu tires sur ce qu'on met dans le... Toujours pareil de l'autre côté. On attend que lui tire, histoire de pas se faire bloquer comme un noob. En fait, je fais tellement des erreurs de nul. Pourquoi il n'est pas plus rapide ce tank là? J'ai 15 munitions. Et puis merde, en asymétrique, est-ce qu'on s'en fout? Je comprends rien ce qui se passe, mais c'est pas grave. Je sais pas comment j'ai gagné, mais j'ai gagné. Faut foncer dans le tas. Non, ça va aller. Déjà, faut que je regarde tout pour faire le montage. Bon, toi, tu as fait tomber par là, je sais. Voilà. Oui, mais il allait le faire comme lui, là. On attend qu'il tire. Histoire de ne pas se faire avoir comme un noob. Oh, regarde. Je fais en mode pro. Par contre, t'as en mode pro 25. Oui, mais pas plein, pas plein non plus. C'est pas plein. Ok. Je me fais en mode pro 20.
doit être la technique la plus efficace. Pour jouer à ce jeu. Non, ils sont deux noirs au milieu, donc on va pas faire la technique fonce dans le tas. On va faire on tue le côté de droite, on tue le côté de gauche, et après on tue le milieu quand ils ont plus d'aide. Boum, boum, toi je t'avais pas vu. J'étais coincé entre masques de munitions. Bah oui, on peut pas tout avoir si on fait le pro, soit on fait le noob, pas les deux. Et à chaque fois je regarde où je vis et du coup je regarde pas ce qu'il me dit. On a matière faire le noob. A chaque fois je vais pas avoir parlé. Et pourquoi il a bougé ses fesses lui? Tu vois, la balle elle allait me raser, sauf qu'il il s'est incliné, du coup elle m'a pas rasé, elle m'a touché. A chaque fois j'ai fait avoir parlé, c'est bien. Et à chaque fois je sais pas jouer. Ouais. C'est pas les murs hein, qu'il faut tuer. Mais en même temps, il y a trop de trucs à regarder en même temps, faut regarder là et en même temps là. Les balles elles peuvent pas avancer plus vite en général. Tu vois, quand tu tires sur quelqu'un, c'est presque instantané. C'est pas tu tires et tu dois attendre 30 millions d'années avant que la balle elle arrive sur ton adversaire. La technique que je me cache est plutôt efficace. Et ben, je t'exploserai la face. Heureusement pour toi que je suis pas mort là. On va faire kit. On va regarder à quel niveau on en est là. Mais en fait, tu te marques en haut de l'écran. Ah bon? Tant pis. On va faire play. On va faire move. Niveau 11. Eh ben non! J'ai pas fait. Faudra que je fasse le 10. La prochaine fois. Moi j'ai déjà tout. Moi je viens de jouer là. Donc on va aller dans le dépôt. Donc tant qu'on a quoi? Le challenger. Alors donc, lui, le léopard, je l'ai déjà. En fait, c'est celui-là le meilleur. C'est celui-là, après il y a celui-là, après il y a celui-là, et après il y a celui-là. Ouais. Celui-là il coûte 3000. Ok, dans les guns, qu'est-ce qu'on a? Le flat, c'est celui que j'ai. Ouais. Ça a l'air pas mal. Après on a celui-là, 3000. Après, ok, non, et les munitions, bah c'est... Munitions, bah... Les munitions par un... Ok. Ok, 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 ok. Pourquoi j'arrête pas de dire ok en fait? Donc, Progrès, c'est quoi progrès? Bah, je pense que c'est les progrès. Non, mais on s'en fout. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur Tank Arena vous a plu, que ça vous a donné envie de vous abonner, de liker la vidéo, et on se retrouve demain pour l'épisode 2. Bye bye tout le monde. Ciao.